Le bongo est un grand et magnifique antilope qui vit dans les forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest. Voici une description détaillée du bongo. Le bongo est l'une des plus grandes espèces d'antilopes de la famille des Bovidae. Les mâles adultes peuvent atteindre une hauteur de 1,2 à 1,4 mètres au garrot, tandis que les femelles sont légèrement plus petites. Ils ont un corps massif et robuste, avec de longues pattes minces. La couleur de leur pelage varie, mais en général, ils ont une robe brun-roux brillante, avec des rayures blanches verticales sur tout le corps. Ces rayures aident le bongo à se camoufler dans la végétation dense de la forêt. Taille et poids. Les bongos mâles sont plus gros que les femelles. Les mâles peuvent peser entre 225 et 405 kg, tandis que les femelles pèsent un peu moins, entre 150 et 250 kg. Ils ont une construction trapue et une apparence puissante, bien adaptée aux manœuvres dans les forêts denses. Les deux sexes du bongo portent des cornes en spirale caractéristiques. Les cornes des mâles sont plus grandes et plus épaisses, mesurant jusqu'à 100 cm de longueur, tandis que celles des femelles sont plus courtes et plus minces. Les cornes sont annelées et peuvent tourner sur elles-mêmes jusqu'à une ou deux fois. Les bongos sont des animaux forestiers et se trouvent principalement dans les forêts tropicales humides d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ils préfèrent les zones densément boisées, les clairières, les marécages et les lisières de la forêt. Les bongos sont bien adaptés à la vie dans les forêts, avec leurs cornes courbées vers l'arrière pour éviter de s'accrocher aux branches et leur pelage aux couleurs vives qui se font dans la végétation luxuriante. Comportement. Les bongos sont principalement des animaux nocturnes, bien qu'ils puissent être actifs pendant la journée par temps nuageux. Ils sont généralement solitaires, mais on peut parfois les voir en petits groupes familiaux. Les bongos sont des animaux timides et discrets, se déplaçant lentement et silencieusement à travers la forêt pour éviter les prédateurs. Régime alimentaire. Les bongos sont des navigateurs sélectifs, se nourrissant d'une variété de végétation trouvée dans leur habitat forestier. Leur régime alimentaire comprend des feuilles, des herbes, des écorces, des fruits et des vignes. Ils sont connus pour avoir un penchant particulier pour les feuilles de certaines espèces d'arbres. Les bongos ont un système digestif spécialisé qui leur permet d'extraire un maximum de nutriments de la matière végétale qu'ils consomment. Les bongos sont des herbivores et se nourrissent principalement de feuilles, de pousses, de fruits, de fleurs et d'écorces trouvées dans leur habitat forestier. Ils ont une langue préhensile qui leur permet de saisir les feuilles et les branches.
conservation, le bongo est considéré comme une espèce en danger en raison de la destruction de son habitat naturel et de la chasse illégale pour sa viande et ses trophées de chasse. Des efforts de conservation sont en place pour protéger les populations de bongo et leurs habitats, notamment par la création de réserves naturelles et la sensibilisation à leur statut vulnérable. Les bongos sont considérés comme en voie de disparition en raison de la perte d'habitat causée par la déforestation, l'empiétement humain et la chasse illégale. Leur population a considérablement diminué ces dernières années. Les efforts de conservation se concentrent sur la protection des habitats forestiers restants, l'établissement de corridors fauniques et la lutte contre le braconnage grâce à une application accrue de la loi et à une sensibilisation accrue du public. Reproduction. La saison de reproduction des bongos varie selon les régions, mais a généralement lieu pendant la saison des pluies, lorsque la disponibilité alimentaire est plus élevée. Les mâles se livrent à des parades élaborées pour attirer les femelles, qui peuvent impliquer des vocalisations, des marquages olfactifs et des interactions physiques. Après une période de gestation d'environ 9 mois, un seul petit naît. Le veau reste caché dans une végétation dense pendant les premières semaines et compte sur sa mère pour se protéger et se nourrir. Prédateurs. Les bongos font face à la prédation de grands carnivores tels que les lions, les léopards et les hyènes tachetées. Ils s'appuient sur leurs excellents sens, notamment une ouïe aiguë et un odorat bien développé, pour détecter les menaces potentielles et échapper aux prédateurs. Leur coloration et leur capacité à se fondre dans le milieu forestier leur confèrent une protection supplémentaire. L'apparence frappante du bongo, son comportement insaisissable et son rôle écologique en tant qu'explorateur forestier en font une espèce charismatique et très appréciée. Protéger leur habitat et assurer leur survie est crucial pour maintenir la biodiversité et l'équilibre écologique des forêts africaines où ils habitent. Le bongo est une antilope majestueuse et emblématique de la forêt africaine. Sa beauté et son adaptation à la vie forestière en font une espèce précieuse à préserver pour les générations futures.